à tous, c'est l'heure de Parlement Hebdo, 45 minutes pour faire le tour de l'actualité politique et parlementaire, la dernière de la saison 2014, avec à mes côtés Katia Gilder. Bonjour. Bonjour Mickaël. Et dans l'actualité cette semaine, un discours très politique. François Hollande a inauguré le Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris. Il a souligné l'apport des étrangers à la République et dénoncé les postures politiques de ceux qui n'aiment pas la France. L'état d'urgence pour les retraites, deux rapports, un de la Cour des comptes et un du Conseil d'orientation des retraites décrivent une situation alarmante. Le remède, il est bien connu, travailler plus longtemps, partir plus tard à la retraite. Et puis les hommes politiques se mettent à la télé-réalité déguisés, ils se mettent en scène. Bilan de cette première émission sur D8, la chaîne de la TNT. Petite audience et beaucoup de critiques. Notre invité cette semaine est Roger Karoutchi. Bonjour. Bonjour. Souriant Roger Karoutchi, sénateur UMP des Hauts-de-Seine, vice-président de la Commission nationale d'investiture aux côtés de Christian Estrosi dans le nouvel organigramme de votre parti. On va en parler. Mais avant de commenter la semaine, écoutez l'avis de quelques-uns de vos collègues sénateurs sur vous. Oh là. Il a été ministre, et en particulier ministre chargé des relations avec le Parlement. Ce qu'il fait qu'en matière de procédure, qu'en matière d'organisation des votes et d'utilisation du droit parlementaire, il nous apporte son expérience et il nous dit de temps en temps qu'il faut faire ou ne pas faire comme ici ou comme ça. Quand je suis arrivée en 2011, eh bien c'est un des sénateurs sur lequel j'ai pu compter, demander des explications, demander de l'aide et puis avoir un petit peu de soutien moral. Voilà, quand on débute, c'est intéressant d'avoir des collègues qui vous aident. Depuis que je le connais, depuis 25 ans, d'abord il est historien, c'est un grand historien. Et donc il a toujours beaucoup de subtilité dans ses propos avec des références que peu ont. C'est ce qui lui permet d'avoir des arguments qui sont imparables. Et le sénateur Roger Karoutchi est très chaleureux, très sympathique, très cordial. Et j'ai de très bons rapports avec lui, même si nous n'appartenons pas au même groupe politique. Les rapports sont bons. J'ai vu qu'il soutenait fermement M. Sarkozy. Mais c'est presque étrange parce que je trouve que sa personnalité est assez différente de celle de M. Sarkozy. Enfin, c'est une petite remarque. Ça vous étonne ce que dites-vous, Jean-Pierre Sueur? D'abord, vous n'allez pas trop avec Nicolas Sarkozy. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, c'est Jean-Pierre Sueur qui le dit. Oh, je connais Nicolas Sarkozy depuis 40 ans. Dire qu'on a le même avis, la même opinion sur tout, bien sûr que non. Je n'ai pas la même formation, j'ai peut-être pas la même sensibilité sur un certain nombre de sujets. Mais quand on choisit de soutenir quelqu'un, est-ce qu'on le soutient parce qu'on se dit on est à 100% d'accord sur tout ce qu'il dit? Ou est-ce qu'on se dit c'est celui qui peut faire bouger les lignes et les choses? Vous soutenez l'homme plus que les idées? Je soutiens la capacité à faire bouger le pays. Maintenant, ça ne veut pas dire que je partage toutes les convictions ou tous les avis, non, bien sûr. D'un mot, je voudrais revenir un petit peu sur ce que disaient les sénatrices qu'on a entendues au début de l'émission. On a un peu l'impression qu'ils vous considèrent comme le président du groupe BIS. On se trompe. Non. Il y a eu une élection. Ouais. Bruno Retailleau a été élu, bien élu. Et je m'entends maintenant parfaitement avec lui. On travaille très bien ensemble. Oui. On n'est pas dans... Il n'y avait pas d'hostilité personnelle. Vous savez, c'est toujours pareil. Autant quand vous avez à l'intérieur du même parti des relations personnelles difficiles avec quelqu'un, c'est compliqué après quoi qu'il advienne. Là, c'était pas le cas. Autant avec Bruno Retailleau, j'étais en bon terme, il y a eu une opposition, l'élection a eu lieu, on travaille bien ensemble. J'espère avoir quelque influence sur le groupe, et tant mieux. Mais, mais ça se fait en bonne intelligence avec Bruno Retailleau. On va tourner la page de la semaine. Allez. Lundi, François Hollande parle immigration. On va appeler ça la contre-offensive politique de François Hollande. Le chef d'État a profité de l'inauguration du Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris pour prononcer son premier discours depuis son élection sur ce thème, un thème jugé plutôt sensible. Écoutez. Les décorations, les médailles. Une inauguration en bonne et due forme pour la cité de l'immigration. L'événement est un symbole pour François Hollande, plus de 7 ans après l'ouverture du musée. 7 ans, c'est long pour une inauguration officielle. Il fallait donc qu'elle soit suffisamment réfléchie pour qu'elle puisse avoir lieu aujourd'hui. Comme
comme si l'immigration devait toujours être un sujet difficile, dont il vaudrait mieux ne pas parler, ou alors avec certains mots et dans certaines circonstances. François Hollande en profite pour tacler Nicolas Sarkozy, qui a parlé de quitter l'espace Schengen. Le président annonce une réforme de la naturalisation. Elle deviendra automatique pour les étrangers qui résident en France depuis au moins 25 ans et ont eu un enfant. Autre sujet très attendu, celui du droit de vote des étrangers. François Hollande l'avait promis en 2012. Aujourd'hui, il botte en touche. Rien ne peut se faire sans une révision de la Constitution. Ce qui suppose dans notre droit une majorité des 3/5 au Parlement, c'est-à-dire l'accord de toutes les forces républicaines. J'y suis pour ma part favorable à elles de prendre leurs responsabilités. Une loi sur l'immigration est prévue pour l'an prochain. Au programme, l'obligation d'apprendre le français, mais aussi la création d'un visa spécifique pour attirer les étudiants étrangers. Roger Carucci, sur le vote des étrangers aux élections locales, François Hollande vous tend la main, en quelque sorte, c'est à la mode cette semaine. Il ne tend rien du tout, on va lui mordre la main. Non, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Tout le monde sait très bien que la situation économique, politique, humaine, identitaire de ce pays ne permet pas d'avancer là-dessus en ce moment. Donc c'est une guette. Et c'est de la provocation. François Hollande n'a qu'un rêve, c'est avoir un Front National extrêmement haut, pour être éventuellement face au Front National au deuxième tour des présidentielles. Donc ce qu'il fait, c'est de l'instrumentalisation politique. C'est non seulement de l'instrumentalisation, c'est de la manipulation. Et quand je l'entends dire ce qu'il dit, même sur l'immigration, enfin, écoutez, ça suffit, franchement, ce pouvoir incohérent, indécent, qui n'est que dans la manipulation, dans l'instrumentalisation, ça suffit. Je suis de ceux qui, à droite, ont probablement sur l'immigration, même si je suis rapporteur sur ce thème à la Commission des finances, une position modérée, qui disent, mettons les choses sur la table, on est dans une situation difficile, donc on ne peut pas ouvrir les frontières. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qui s'est passé avec l'engagement dans les deux guerres mondiales des gens qui, participant à ce qu'était l'Empire, ont fait aussi la victoire. Plutôt en rapport avec ce qu'a dit François Hollande. Non, mais très bien, mais vous êtes... enfin, franchement... quand je vois qu'il y a 70 000 demandeurs d'asile en France tous les ans, on ne l'accorde qu'à 12-13 000, on crée volontairement ou pas 40 000 sans-papiers tous les ans, et continue sans rien dire. Et pourtant, on a l'impression que vous n'êtes pas forcément majoritaire, que la politique, qu'il y a une sorte de clivage qui se renforce entre la droite et la gauche sur ce sujet de l'immigration. C'est normal. Que l'UMP propose des idées quand même très... Bah, les idées que propose l'UMP, elles sont... pas très nouvelle, pardon de le dire. Vous êtes modéré. Non, mais oui. Excusez-moi, Roger Carucci. Elles sont pas très nouvelles, mais quand on dit les quotas, on en parle depuis 10 ans de mettre en place des quotas. De grands pays démocratiques, je pense au Canada, etc., ont mis en place cette politique des quotas pour rentrer dans le pays. Personne n'a dit que c'était devenu des pays fascistes. Enfin, il faut un peu rester calme. Je veux savoir si vous êtes d'accord avec cette phrase. C'était en octobre dernier, prononcée par Nicolas Sarkozy à Nice. L'immigration menace notre vivre ensemble. J'aurais aimé qu'ils disent l'immigration débridée. C'est-à-dire l'immigration non contrôlée, oui, elle menace. Ah oui, bien vous n'êtes pas forcément menace. D'accord sur... Parce que c'est ça qu'ils voulaient dire. Ce n'est pas l'immigration contrôlée. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, pendant la campagne présidentielle, avait parlé d'une immigration choisie, d'une immigration contrôlée. Celle-là ne pose pas de problème si on se met autour d'une table et qu'on fixe les règles. Mais quand on a l'impression que plus aucune frontière n'est maintenue et contrôlée, qu'on ne sait plus intégrer. Parce que le vrai sujet, ce n'est pas seulement de dire « ils rentrent, les immigrés ou les demandeurs d'asile », c'est « comment on les traite ?». Vous savez, quand j'entends dire l'apprentissage du français, dans le budget 2015, on a réduit les crédits de l'Office français d'immigration qui assure l'éducation aux Français. Donc pour vous, c'est on juste... a réduit considérablement. Alors, en réalité, plus personne n'apprend le français parce qu'on n'a pas les moyens. Alors ça suffit de mentir. Roger Carucci, on passe au mardi. On va parler des compétences pour les futures collectivités territoriales. Oh là là. Il y a eu un grand débat autour de la carte des régions. Maintenant, on va parler des compétences pour ces régions. Le Sénat a entamé la discussion du projet de loi sur la nouvelle organisation du territoire. C'est le fameux projet NOTRe. Un début de débat, car il ne reprendra qu'en janvier. Pauline Dame. C'est leur dernier moment de répit. Sénateurs et ministres s'apprêtent à entrer en scène pour 6 heures de séance publique. Après la définition de la carte des régions, place au qui fait quoi.
Pour les départements, la clause de compétence générale serait supprimée. Ils garderaient leur attribution sociale, comme le versement du RSA, et la solidarité territoriale, telles que l'aide au milieu rural. Les régions verraient en revanche leurs prérogatives renforcées. Développement économique, emploi, éducation avec la gestion des lycées et transport, notamment la gestion des routes. Plus de pouvoir aux régions et des intercommunalités élargies. Leur seuil pourrait ainsi passer de 5 000 à 20 000 habitants d'ici fin 2017. Mais déjà ça coince, chacun défendant son pré carré. Ainsi Gérard Collomb, à l'origine de la création des métropoles, ne voudrait pas faire les frais des régions trop puissantes. On donnait des compétences relativement élargies aux agglomérations, aux métropoles en particulier, qu'on vient de créer un an après. On supprime ces compétences pour les transférer aux régions. C'est en tout cas contradictoire pour quelqu'un qui regarderait d'un œil un peu extérieur. Le rapporteur de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, pointe quant à lui le manque de cohérence générale du gouvernement. La clarification des compétences, la suppression de la clause de compétence générale, ça c'est une modernisation. Nous l'avions souhaité en 2010, ça a été supprimé en 2014, ça est rétabli à la fin de l'année 2014. Vous avouerez quand même que la cohérence n'est pas forcément la première vertu de ce gouvernement. Un premier tour de chauffe, plus de 1000 amendements ont déjà été déposés. Ils seront discutés à partir du 13 janvier prochain. Alors cette bataille des compétences des régions contre les départements, ça fait un petit peu bataille d'ego alors que les Français ont l'air plutôt favorables à cette réforme. Je ne sais pas si sincèrement beaucoup de nos concitoyens savent le détail, et parce qu'en réalité c'est un sujet extrêmement compliqué de partage des compétences. Moi je suis pour quelque chose de très clair, je suis un peu basique comme citoyen finalement. Par exemple, je suis pour la suppression de la clause de compétence générale. Soyons clairs, ça veut dire pour que le département ou la région ne puisse pas faire tout et n'importe quoi et intervenir dans tous les domaines. Sauf que là, on nous dit suppression de la clause de compétence générale pour les départements et pour les régions. Et en même temps, on met tellement de dérogations qu'en réalité, et les départements et les régions pourront continuer d'intervenir dans tous les domaines. Je vais vous prendre un seul exemple. La région Île-de-France. Moi, j'ai dit en tant que président de la commission des finances de cette région que si on supprimait la clause de compétence générale et si on n'avait que les compétences attribuées, c'est 500 millions d'euros qui seraient épargnés et qu'on pourrait remettre sur les transports publics, sur l'éducation. Mais en réalité, les dérogations sont telles qu'on va continuer de dépenser ces 500 millions d'euros et qu'on n'ira pas aux priorités. Tout ça est quand même mal fait. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe avec l'Alsace? Est-ce que pour vous, les parlementaires UMP peuvent obtenir gain de cause, les parlementaires UMP de l'Est, est-ce qu'ils peuvent obtenir gain de cause? Ils sont vent debout contre cette réforme. Écoutez, en première lecture, le gouvernement nous avait dit vous ne jouez pas le jeu, vous ne voulez pas débattre et tout. Et on a fait le travail en deuxième lecture. Vraiment, on a travaillé sur la carte, on a travaillé sur le nombre d'élus, sur les dates d'élection, etc. On a beaucoup travaillé et beaucoup discuté avec le gouvernement. À peine a-t-on fini, et malgré ses remarques, vous ne jouez pas le jeu avec nous, il va à l'Assemblée et il a tout balayé ce qui avait été fait au Sénat. On a fait un recours devant le Conseil constitutionnel, donc on va attendre le retour du Conseil. Si le Conseil nous donne raison, notamment... quand le gouvernement ne joue pas le jeu, nous, on prend toutes les armes que la Constitution nous donne. Donc les sénateurs UMP vont aussi déposer. Ça y est, c'est signé, on dépose député comme sénateur. Le recours... pour dire le découpage, il est déposé là, ça y est. C'est fait. Donc le découpage ne convient pas. Les régions, ce qui était une obligation légale, n'ont pas été consultées, il n'y a pas eu de vote. Et par conséquent, il y a un élément décisif de cette création des cartes qui n'est pas respecté. Si le Conseil nous donne raison, il annulera la délibération. Roger Carotti, vous savez qu'il y a des élections départementales dans quelques mois. Au mois de mars. Un sondage, Odoxa, cette semaine, 28% prononce le Front National en tête, 25% pour l'UMP, suivi de 17% pour le Parti Socialiste. Le FN est loin devant. Oui. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire ce que je dis depuis des semaines et des mois, y compris à l'intérieur de mon parti. Ça va être très difficile et je dis, moi, ce sera pire, soyons clairs, au régional. Parce que c'est un mode d'élection qui correspondra plus au FN à la proportionnelle. Donc vous avez anticipé cet échec possible? Échec, non, parce que le rejet de la gauche est tel que, par exemple, au scrutin départemental, le mode de scrutin
va défavoriser le FN, favoriser la droite classique. Donc le FN n'aura aucune présidence de conseil général et nous allons en reprendre une vingtaine. Donc ce sera un succès pour la droite classique par rapport à la gauche qui va en perdre beaucoup. Je suis plus craintif sur les régionales où en décembre, je ne suis pas sûr que les élections régionales attirent beaucoup plus de 40% d'électeurs. Et si le Front National est toujours sur sa poussée, on aura peut-être un Front National aux alentours de 30%. Ce qui voudra dire des régions menacées, des présidences de régions, des groupes régionaux importants et probablement une gauche qui va sauver certaines régions à son profit avec des triangulaires de deuxième tour, avec un FN très fort. Il y aura, on va reprendre des régions, on n'en a qu'une, on ne peut pas... Alors, mais on va en gagner, mais peut-être pas autant que prévu si nous n'avons pas l'argumentaire, la force de dire un certain nombre de choses par rapport au FN. On se reverra d'ici là. On va parler, en attendant, du temps de travail. Roger Karoutchi, un autre sujet de la semaine avec une question. Les 35 heures ont-elles de l'avenir ? À l'Assemblée, une commission d'enquête sur la réduction progressive du temps de travail a rendu son rapport. Verdict, les députés qui ont travaillé sur le sujet ne sont pas d'accord. Écoutez. Moi, je pense que c'est vraiment un outil de la résolution du chômage. Et l'expérience qu'on en a, c'est que le seul moment où on a vraiment réduit le chômage, c'est à ce moment-là. Avant, il y avait un taux de chômage à presque 12%. On sort avec aux alentours de 8%. Donc, ça nous, dans les 40 ans qui ont passé, ça ne nous est pas arrivé. À cette époque, le gouvernement envisage la création de 700 000 emplois. Finalement, il en sera créé que 350 000 dans un contexte de croissance favorable, dont les statistiques, que ce soit l'INSEE ou la DARES, Institut statistique du ministère du Travail, ne sait pas nous dire si les 350 000 emplois, ce sont les 35 heures ou si c'est la croissance. Il y a sans doute un peu les deux. Alors Roger Karoutchi, vous revenez au pouvoir demain avec Nicolas Sarkozy, vous en finissez avec les 35 heures Moi je crois que oui. Vous savez, les Français... Rien ne s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui. On a eu tort, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, de ne pas tout faire. Mais Dieu est grand, le quinquennat de François Hollande nous met tellement à plat et tellement plus bas que de toute façon, si on n'agit pas, c'est la catastrophe. Donc c'est sûr, les 35 heures ont coûté très cher. Très cher à l'État, très cher aux collectivités, très cher aux hôpitaux. Ça a déstructuré le travail dans bien des entreprises et des administrations. Il faut trouver des solutions. Il ne faut pas que les salariés se disent « Ah ben voilà, ils vont nous faire perdre des RTT, on ne sera pas payé mieux. » Donc il faut trouver surtout des solutions pour revenir peut-être à 38 heures, en retrouvant des possibilités de gains. Mais en même temps, on sait bien que ce n'est pas possible de rester aux 35 heures, ce n'est pas possible de dire, comme je l'ai entendu encore dire, il faudrait peut-être revenir à 60 ans pour l'âge de la retraite. Je veux dire, dans la compétition... Les prévisions de l'INSEE, 0,7% de croissance pour 2015. Oui, et puis j'entends François Hollande qui dit « c'est bien, j'espère un peu mieux ». Bon, c'est pas mal. Mais vous voyez ces petits joueurs, 0,7, ça ne crée pas d'emploi. On est content de se dire « il y aura encore un peu plus de chômage, mais pas autant plus que ce qu'on aurait pu craindre ». C'est pas une bonne nouvelle. Mais non, la bonne nouvelle, c'est de nous dire 2%, où là, on commence à stabiliser le chômage. Mais 0,7, ça veut dire qu'on va encore créer 100 000 à 150 000 chômeurs de plus pendant l'année 2015. Mercredi. Franchement, je ne peux pas me contenter de ça. Alors, mercredi. Mercredi, c'est un ancien Premier ministre qui est auditionné à l'Assemblée nationale. Ah, c'est le grand oral pour Lionel Jospin qui a été auditionné par la commission des lois avant de prendre la place du fauteuil de sage au Conseil constitutionnel. Il va remplacer Jacques Barrot, décédé il y a une quinzaine de jours. Nomination politique pour vous, Roger Karoutchi, ou pas ? Oui, enfin, je n'ai pas le sentiment que ça puisse être autre chose. Moi, je ne suis pas choqué. Je veux dire, un ancien Premier ministre au Conseil constitutionnel, il a l'expérience, il a géré le pays pendant 5 ans, on en pense qu'on en veut. Ça ne me paraît pas absurde. Peut-être pas. Allez, c'est peut-être pas le jeune homme de l'année, mais après tout, c'est le Conseil constitutionnel, des gens d'expérience, moi ça me choque pas. En 2016, le président du Sénat pourra lui aussi nommer quelqu'un. On murmure un nom en ce moment, Jean-Claude Gaudin. Ah, j'ai eu peur que ce soit le mien. Ah, peut-être, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Non, Jean-Claude Gaudin, ça serait une personnalité qui aurait sa place au Conseil constitutionnel. Moi, je ne sais pas. J'avais cru comprendre que Jean-Claude Gaudin souhaitait rester maire de Marseille, même après le texte sur le cumul des mandats en 2017, s'il quittait le Sénat. Évidemment. Mais
Il en a la capacité et la compétence, mais je ne sais pas s'il préférera Marseille et son attachement réel ou le Conseil. Autre question compliquée pour vous, Roger Karoutchi. Comment dissuader les jeunes Français de partir faire le djihad en Syrie ? Une commission d'enquête parlementaire a été mise en place sur la surveillance des filières djihadistes. Cette commission avait été demandée par la droite. Écoutez Éric Ciotti. Les travaux de notre commission diront si ces moyens sont suffisants ou si, comme je le pense aujourd'hui, il faut encore les renforcer. Mais en tout cas, je le dis, ce qui a été fait est positif. J'approuve ces dispositifs. Je soutiens cette politique parce que face au terrorisme, nous devons adopter une unité, une posture d'unité nationale. Et qu'est-ce que vous dites, Roger Karoutchi, que peut faire la France pour dissuader ces jeunes de partir? Les déchoir de la nationalité française, parmi les mesures évoquées, il y a ça? Le premier élément, et là je partage l'avis d'Éric Ciotti, le premier élément, je crois que Bernard Cazeneuve là-dessus est assez déterminé, c'est lutter contre les réseaux sociaux, tous les sites qui en réalité endoctrinent, poussent un certain nombre de jeunes à faire le djihad. Et vraiment, il faut de vraies mesures maintenant. Il faut les fermer, ces sites, il faut arrêter ceux qui sont responsables de ces sites, et il faut les faire condamner. Les responsables des filières, ceux qui recrutent. Oui, oui, enfin, tous ces sites insupportables qui expliquent qu'il faut aller tuer les gens, ça suffit. Ça suffit. Ouais, c'est une première mesure. Non, mais, enfin, ouais. Ouais, bah, d'accord. Et la deuxième mesure, j'entendais, moi, des gens qui ont fait le djihad et qui sont là-bas, et qui disent qu'ils prennent des avocats pour savoir comment revenir en France sans risquer de peine. Eh bien, avocat ou pas avocat, il faut que les peines soient telles que les gens se disent, si on part, on ne revient pas. Voilà. Et s'ils reviennent, il y a les prisons de la République, elles sont ouvertes. On va passer sur un autre sujet, on va parler des autoroutes. Ça n'a rien à voir, évidemment, mais ce sont aussi des rapports parlementaires qui sont à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le bras de fer entre l'État et les sociétés d'autoroutes a vraiment commencé. Le Parlement réclame, pour au moins se prononcer, un débat au Parlement. Regardez ce reportage de Marie-Vol. C'est un bras de fer qui a démarré depuis plusieurs semaines entre l'exécutif et les sociétés d'autoroutes. Trois ministres, Ségolène Royal, Emmanuel Macron et Alain Vidalis, négocient avec les sociétés concessionnaires. Ce travail, il est mené dans l'intérêt général. Tout est sur la table car il faut trouver de quoi financer les infrastructures de transport alors que l'écotaxe a été abandonnée et que les finances publiques sont dans le rouge. Depuis le mois de septembre et le rapport de l'autorité de la concurrence qui dénonce les rentes exceptionnelles, l'exécutif s'intéresse de très près au pactole des sociétés d'autoroutes. Pour récupérer une partie des bénéfices, l'État envisage plusieurs pistes, comme le gel des tarifs des péages ou encore faire financer des milliards d'investissements sur le réseau par les sociétés d'autoroutes. Ultime possibilité, rompre par anticipation ces contrats de concession et tout renégocier. Mais alors, l'État doit se décider avant le 31 décembre, soit dans deux semaines. Deux rapports émanant l'un des sénateurs et l'autre des députés ont été rendus publics aujourd'hui. Peut-être éclaireront-ils l'exécutif sur la stratégie à adopter ou pas. Toucher aux autoroutes, c'est le symbole de la rente. Je ne sais pas si c'est le symbole de la rente. Ce que je sais, c'est que si on disait, par exemple, avant le 31 décembre, on met un terme aux concessions, on remet ça sous l'autorité de l'État, ça coûte 20 milliards. Sincèrement, vu le niveau budgétaire de la République, de l'État français d'aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve 20 milliards? On n'a plus un rond. Moi, j'aime tout le monde, hein, mais enfin, si on trouve 20 milliards, comme eux le disent, parce qu'on a fait plein d'amendements pour l'apprentissage, machin et tout, ça coûtait 10, 20, 50 millions, il n'y a plus un sou. Là, on trouve 20 milliards, c'est pas crédible. Mais comment l'État va-t-il s'y prendre, alors? Est-ce qu'il faut renégocier avec les sociétés d'autoroutes sur les tarifs, sur le niveau d'investissement? Les sociétés d'autoroutes disent, nous faisons beaucoup d'investissements, c'est nous qui construisons les nouveaux secteurs autoroutiers. Faut-il les croire? Bon, il faut croire jamais personne. Il faut tout vérifier. Non, mais il faut tout vérifier et relister. Si on a le sentiment qu'on peut leur imposer soit un gel des tarifs, des investissements routiers supplémentaires, il faut le faire. Alors, donc ce que dit Ségolène Royal, quand elle dit proposition de geler les tarifs, vous seriez d'accord avec elle? Moi, je suis plutôt pour, à condition qu'on démontre qu'elles constituent des pactoles qu'elles n'utilisent pas dans l'investissement. Si, en revanche, tout ce qui est gagné est réinvesti, c'est compliqué.
Alors, en cette fin d'année, l'occasion se présente de faire un petit point sur la cote de popularité des uns et des autres, notamment au sein de l'exécutif. C'est le Zoom de la semaine. Jérôme Sainte-Marie est en piste, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, président de Polling Vox. Alors cela fait des mois qu'elle est en chute libre et là, miracle, elle remonte la cote de popularité de François Hollande. Est-ce que c'est le deuxième temps du quinquennat qui commence? Bon, j'aimerais le croire, parce que c'est toujours plus intéressant pour un sondeur, si vous voulez, de voir des courbes qui s'inversent, qui repartent, tout cela. J'aimerais le croire d'un point de vue technique. En même temps, à 18% ouais. plus 6 points. Quoi. Comment vous expliquez vous savez, quand vous êtes à 12%, ouais. c'est mécanique que si les choses ne vont pas trop mal, s'il n'y a pas eu une catastrophe dans la gestion gouvernementale, une énorme bourde, le bouchon remonte presque naturellement. Qui peut croire que la gauche est aujourd'hui à 12% simplement dans le pays? Ce n'est pas réaliste. Donc effectivement, on avait atteint de tels niveaux avec cette rentrée cataclysmique pour l'exécutif, avec chaque jour ou presque une mauvaise nouvelle, une démission, une affaire, etc., qu'évidemment, le bouchon était tenu artificiellement trop bas, si j'ose dire. Là, c'est la loi de la pesanteur politique naturelle qui s'exerce. Encore une fois, vous l'avez dit, c'est 18%. Alors, il y a des mesures où c'est un peu plus haut, hein, soyons objectifs, mais c'est quand même un niveau extrêmement bas. On ne voit pas exactement, pour vous répondre, en quoi il y aurait un second souffle du quinquennat. Vous savez, les Français... Une sorte de nouvelle stratégie qui serait mise en place à la rencontre des Français, sur le plan international. Avec des propositions sur l'immigration, enfin... Ouais. Quelque chose qui est en train de se différencier, non ? Ah, je ne crois pas. Simplement, vous avez à peu près la machine gouvernementale et la machine élyséenne qui semble fonctionner à peu près depuis quelques semaines, si vous voulez. Les choses qui sont annoncées sont à peu près tenues, les rendez-vous sont respectés. Enfin bref, des choses qu'on n'avait pas vues avec le cataclysme, encore une fois. Rappelez-vous, au niveau de la vie privée du président de la République comme au niveau de son image publique, on avait des choses extraordinaires en ce début d'année. Là, vous savez, les Français sondés ou les Français qui ne le sont pas ont un jugement sur la politique qui est assez raisonnable. Et si devait modifier leur point de vue, ça serait parce que les chiffres du chômage s'amélioreraient, ce qui n'est pas le cas, ou parce qu'il y aurait de nouveau un message très à gauche qui serait envoyé, enfin plus à gauche qui serait envoyé, cohérent avec ce qu'attendaient les électeurs de François Hollande en 2012. Pour l'instant, on ne voit rien venir. Roger Karoutchi, vous froncez les sourcils. Oui, parce qu'effectivement, passer de 10 à 20, c'est plus dur que de 40 à 50. Quoi. Bon, on sait bien que quand on est aussi bas, c'est plus facile de passer de 10 à 20, pardon. Oui, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne crois pas que l'électorat de gauche ait disparu. Et je le dis à l'intérieur de mon parti, attention, il y a une déception qui conduit à l'abstention, ce qui donne le sentiment mécaniquement que la droite est en forme, etc. Oui. Pour autant, on verra dans les semaines et les mois qui viennent, si l'exécutif ne parvient pas à remobiliser son électorat, il perdra toutes les élections jusqu'en 2017. S'il a la capacité de remobiliser un peu, on aura un vrai Jérôme Sainte-Marie. Oui, pour illustrer ce qui vient d'être dit, je suis d'accord. Parce que vous savez, le fait majeur pour la gauche cette année, en 2014, je vais peut-être vous surprendre, c'est la perte de la ville de Limoges. Limoges, la ville à gauche depuis 1945, libérée par les FTP, avant la Première Guerre mondiale, libérée par les FTP, etc. Et donc vous avez cette ville qui a même une sociologie de petits fonctionnaires, de retraités, etc., qui devrait être restée de gauche et qui a été perdue spectaculairement. Ça prouve bien que la crise interne, si vous voulez, l'affaissement de la gauche sur elle-même, en quelque sorte. Autre symbole aussi, peut-être autre personnalité de cette année 2014, le retour de Nicolas Sarkozy. Là aussi, encore un nouveau sondage. Moins 16 points, 67% d'opinion favorable. Alors c'est vrai que la chute était attendue une fois qu'il revient dans le bain politique. Enfin, c'est quand même brutal, 16%. Oui, il ne fallait pas si attendu que ça. Là, j'ai été un peu sévère pour l'exécutif. Je vais l'être maintenant pour Nicolas Sarkozy. Chacun en propose son grain. Voilà. Non, mais dans la mesure où là, effectivement, il y a eu une rentrée qui devait imposer la candidature future de Nicolas Sarkozy comme une évidence, en tout cas à droite. Alors, on a toujours le clivage gauche-droite très fort sur l'image de l'ancien président de la République. Ça n'a pas changé. Ça ne devait pas changer d'ailleurs. Par contre, on n'a pas eu de ralliement massif, pour ne rien dire des cadres de l'UMP, mais même parmi, vous l'avez dit, des chiffres, parmi les anciens électeurs de Nicolas Sarkozy, parmi les sympathisants de l'UMP, tout cela n'a rien d'une évidence et le score relativement partagé finalement pour la présidence de l'UMP a installé l'idée qu'il y avait une compétition légitime au sein de la droite. Roger Karoutchi, compétition légitime, mais c'était pas prévu comme ça en fait pour Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas tout à fait, enfin je suis d'accord avec l'analyse, mais Nicolas Sarkozy revenait d'abord devant les adhérents. Et on sait que le vote des adhérents est plus à droite, plus clivant que le vote des électeurs de droite.
Donc forcément, il a pendant 2 mois pris des positions qui pouvaient ne pas plaire à un électorat centre-droit, mais qui pouvaient plaire à nos adhérents. Qui ne nous ont pas plu non plus. Mais ce n'est même pas le sujet. Mais je l'ai dit au début, moi je suis sarkozyste, je ne suis pas sarkolâtre. Par conséquent, je soutiens Nicolas parce que je pense que c'est lui qui peut faire bouger les lignes. Pour autant, je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'il dit. Et heureusement, je ne suis pas un robot ni un clone. Donc maintenant, on est sorti de la phase élection interne. Il y a une phase de reconquête de l'opinion. Elle est d'ailleurs au-delà de l'électorat centre-droit. Elle est sur tous les Français pour que les Français retrouvent un peu de crédit dans la politique. Il est obligé de se recentrer maintenant. Ah, mais moi, je pense que dans les mois qui viennent, Nicolas Sarkozy va devoir prendre des positions fermes sur un certain nombre de sujets parce que les Français l'attendent, immigration, sécurité. Et en même temps, il va devoir ouvrir et son cœur et son esprit à un électorat qui n'est pas naturellement avec nous. Jérôme Sainte-Marie. Oui, ce qui est souligné d'une certaine manière, c'est que quand même aujourd'hui, d'un point de vue idéologique, l'UMP comme structure, mais surtout comme électorat, comme mouvance dans l'opinion, et idéologiquement, c'est très partagé. En réalité, vous avez bien, parce qu'un autre phénomène majeur de cette année, pour sortir un peu des sondages, c'est le succès éditorial d'Éric Zemmour. Pour vous, c'est un événement majeur de l'année. C'est un événement majeur. En son cas, c'est un événement pour la droite, parce que vous savez, c'est un livre à 22 € et quelques. Enfin bref, donc c'est pas forcément un électorat très populaire qu'il a acheté. Et on voit bien que parmi le corpus classique de la droite, et beaucoup de gens sont sensibles à ces thèses, alors que d'autres ne le sont pas du tout. Donc on voit bien que d'un côté vous avez l'UDI, de l'autre côté vous avez le Front National, et entre les deux vous avez ce grand parti qui est l'UMP qui a vocation à rassembler tout le monde et qui en fait aujourd'hui court le risque, je ne dis pas que c'est fait, mais court le risque d'être déchiré en réalité entre ce pôle centriste et ce pôle extrémiste. Roger Karoutchi, est-ce que vous avez une question très précise. Nicolas Sarkozy est celui qui peut faire la synthèse d'un Wauquiez, d'une Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est compliqué, d'un Châtel. Oui, mais bien sûr que c'est compliqué. Mais vous croyez que le pays est simple en ce moment mais je pense qu'il peut faire la synthèse. Alors, il faut qu'il écoute les uns, qu'il écoute les autres et qu'il tranche. Mais le pays est tellement à volo, tellement... Est-ce que vous avez le nom de votre prochain parti? Pardon? Est-ce que vous avez le nom de votre prochain parti? Moi, j'ai fait une proposition, je l'ai déjà dit. Donc, moi, j'ai dit, puisqu'on ne veut plus des sigles, etc., je dis que France Rassemblée, ça me paraissait très bien. Mais qu'est-ce qu'il a dit, le chef? Il a dit que j'avais plein d'idées, mais que ce n'était pas forcément ça. Bon, Merci, Jérôme. Merci d'avoir été sur notre plateau. On passe à jeudi avec un sujet explosif qui revient dans le débat public, l'avenir de nos retraites. Les caisses de retraite complémentaires sont dans un état alarmant. C'est le constat fait par 2 rapports, celui du Conseil d'orientation des retraites et celui de la Cour des comptes. Pour y remédier, les juges de la rue Cambon suggèrent notamment un nouveau recul de l'âge légal de départ à la retraite. Elsa Mondingavin. Une situation alarmante. Dans un rapport, la Cour des comptes souligne que les caisses de retraite complémentaires sont au bord de la faillite. Elles pourraient se retrouver en cessation de paiement. En 2018 pour la GIRC, le régime des cadres, en 2025 pour l'ARCO, celui des salariés. Depuis 2008, les déficits se creusent. En raison de la crise et de ses conséquences, l'augmentation de la masse salariale réelle a été quasiment nulle et cette situation a favorisé la réapparition des déficits. Au-delà de la diminution des frais de gestion et la possible fusion des deux caisses, la Cour des comptes préconise d'agir sur tous les leviers disponibles. Baisse des pensions, augmentation des cotisations ou recul de l'âge légal de départ. Sans pour autant privilégier une solution face à une autre. Lorsque je lis ou j'entends que la Cour préconise tel report des bornes d'âge ou telle diminution des pensions, non, ça fait partie des pistes qui sont sur la table. On nous reprocherait bien évidemment de ne pas les mettre sur la table au niveau de la réflexion, ce qui est notre mission. Nous devons bien évidemment mettre sur la table toutes les hypothèses et puis après, bon, en toute connaissance de cause et en toute responsabilité, les partenaires sociaux prennent leurs responsabilités. C'est en effet aux partenaires sociaux qu'incombe la gestion des retraites complémentaires. Les syndicats de salariés sont hostiles au recul de l'âge légal de départ, ce que le patronat réclame au contraire. Ils se réuniront pour trouver un nouvel accord au premier semestre 2015. Alors que dit-on à l'UMP sur les retraites? Il y a une urgence, il faut une piste. Quelle est la piste privilégiée? Est-ce qu'il y a un accord de tous à l'UMP? Beaucoup sont pour le recul de l'âge.
Alors, il est à 62. Je pense que la proposition, d'ailleurs, sur la retraite complémentaire de passer progressivement à 64 ans, c'est la bonne solution. Si on supprime les 35 heures, c'est plus d'heures travaillées dans l'année, c'est un peu plus d'années de travail. Pourquoi ? Parce que je pense sincèrement que si on demande aux Français, est-ce que vous êtes disposé à ce qu'à 64, 65 ans, 64 ans, quand vous prenez votre retraite, vous ayez une pension beaucoup plus basse, puisqu'on parle éventuellement de la baisse des pensions, ils diront non. Et légitimement, ils diront non. Parce que quand vous avez travaillé 42, 43 ans, vous n'avez pas envie qu'on vous dise au bout, bah, vous aurez une retraite diminuée considérablement. Parce que vous avez le droit de vivre bien, correctement en tout cas. Donc, je pense qu'il faut se dire, avec l'âge qui avance, avec la capacité de vivre plus longtemps, on peut aller jusqu'à 63, 64 ans, sauf cas particulier. C'est évident que les professions très pénibles ne peuvent pas. Mais on peut aller jusqu'à 64 ans en ayant la garantie d'avoir une vraie pension de retraite digne pour pouvoir vivre. Est-ce qu'elles sont garanties, ces retraites? Oui, bien sûr, mais elles sont garanties. Sur la durée de cotisation. Si vous cotisez plus longtemps, et si nous avons, ce qui est le cas en France, une natalité, une démographie suffisante, vous êtes allé. Vous savez, on dit tout va mal, et en même temps, on nous dit, mais par exemple, le régime général des retraites, il pourrait être à l'équilibre à partir de 2020-21, parce que la démographie permettra de compenser. C'est ce qu'a dit le chef de l'État au sommet de Bruxelles. Mais c'est tout à fait normal. Donc c'est très bien. Prévoyons, faisons en sorte que les gens ne subissent pas de contre-coup à l'âge de la retraite, et veillons à adapter. Il ne faut pas que cette politique sur les retraites soit un problème permanent. Il faut s'adapter. On passe à 64 ans parce que pour le moment, il n'y a pas. Et si dans 20 ans, on a beaucoup de ressources, eh ben, s'il faut revenir à 63, on reviendra. Mais adaptons-nous. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une deuxième loi sur les retraites avant la fin du quinquennat de François Hollande? Je n'y crois pas parce que je pense qu'ils ne sont pas très courageux. Mais il y en aura une après. Est-ce que vous pensez que notre système de retraite par répartition est menacé, qu'on peut aller vers des retraites privées? Non, sincèrement, je ne pense pas. Ça fait 20 ans que tout le monde dit qu'il est menacé, mais il n'est pas menacé si on prend les mesures. Si on était un peu pragmatique, on dirait aux gens... Vous voulez avoir une douche au niveau de votre loi si vous arrivez au pouvoir? Mais moi, je suis pour qu'on dise, on va sauver vos retraites. Simplement, au lieu de travailler 62 ans, enfin, au lieu de travailler, non pas 62 ans, jusqu'à 62 ans, est-ce qu'il faut... Donc la loi d'Éric Woerth, François Fillon, n'est pas suffisante. On évoluera, mais on évoluera progressivement, on ne va pas le dire la semaine prochaine. Et on fera en sorte que dans les 10-15 ans, eh bien, les temps durent plus longtemps, c'est tout. Allez, on va faire un sujet un petit peu plus léger, les politiques qui se mettent à la télé-réalité. Je ne sais pas si c'est plus léger. C'est une nouvelle émission de la chaîne D8 que vous pouvez voir sur la TNT. Elle déguise des politiques pour leur faire découvrir la vraie vie. Et bien, elle continue de susciter beaucoup de réactions, beaucoup de critiques. On va regarder quelques extraits de cette première émission avec Simon Barbary. Mission impossible. Et même T2, je ne suis pas sûre de pouvoir l'avoir. Et oui, mission impossible de louer un appartement lorsqu'on est mère célibataire avec un salaire de 1200 euros par mois. Et oui, c'est compliqué aussi d'utiliser les transports en commun à Paris lorsqu'on est handicapé. Tous ces petits obstacles quotidiens, ça peut, quand on est dans un fauteuil, quand on est mobilité réduite, se révéler comme étant un vrai problème. Attention. Mais qui sont donc ces personnes qui ont découvert l'eau chaude lundi soir sur D8? Eh bien des politiques, mais sous couverture. C'est le concept de l'émission Politique Undercover de la chaîne du groupe Canal+. Pour ce premier épisode, 4 élus se sont prêtés au jeu. La sénatrice socialiste Samia Ghali, le maire adjoint du 12e arrondissement de Paris, Jean-Luc Romero, et deux députés UMP, Bernard Accoyer et Thierry Mariani. Déguisés en citoyens lambda, l'idée est de les confronter aux vraies difficultés des Français. Plus on est élu depuis longtemps, plus on vit dans la sphère protégée, quelle qu'elle soit, et en particulier dans la sphère où vivent les parlementaires que nous sommes, plus nous avons besoin de cette immersion. Si la démarche des participants d'attirer l'attention sur un problème social ou sociétal semble sincère, leur déguisement et leur surprise face à des problèmes parfois évidents du quotidien attestent l'idée que les politiques vivent bien dans un monde à part. Alors que les Français ont une image de plus en plus négative de leurs dirigeants, pas sûr que ce programme les rapproche de leurs administrés. Mais encore faudrait-il qu'ils puissent juger l'expérience. L'émission n'a pas encore trouvé son public. Seulement 600 000 téléspectateurs étaient devant D8 lundi soir. Ouais, pour vous, c'est pour quand? Alors moi, j'ai été contacté il y a déjà longtemps. J'ai dit non.
D'abord parce que je pense que je suis un Français comme les autres. Je prends le bus, j'ai aidé beaucoup de gens handicapés à monter ou à descendre du bus. Je prends le métro, j'ai pas besoin de me déguiser. Les gens se précipitent pas sur moi dans la rue. Voilà, arrêtons un peu le star system. Ça sert ou ça dessert l'action politique? Non, moi je juge pas. Si certains veulent le faire, qu'ils le fassent. Moi je ne porte pas de commentaires. Moi je le ferai pas parce que je fais partie de ceux qui considèrent que c'est déjà très difficile d'avoir un peu de crédit politique. Ça dessert la parole politique? Je ne sais pas si ça dessert, j'en sais rien sincèrement. Mais on a déjà du mal, quand on est nous-mêmes, à être crédible. Est-ce qu'on a besoin de se déguiser pour avoir en plus des caméras? Si je veux voir ce que ça donnerait avec 1200 euros par mois de louer un logement, je le fais, je ne fais pas une télé avec moi. C'est du spectacle, pour vous, on n'a pas la politique. Là, c'est un peu quand même du spectacle, oui. Moi, je n'ai pas besoin de me déguiser pour me mettre dans des situations où je me dis c'est difficile. Oui, mais une personnalité comme Dominique Bussereau lui vient d'accepter, par exemple. Mais très bien. Mais ils ont raison de le faire. Non, mais ceux qui veulent le faire parce qu'ils le sentent, parce qu'ils en ont envie, c'est leur problème. Moi, je ne le sens pas. Voilà, vous ne sentez pas. Eh bien, voilà, merci. On fait des émissions de son. Parlez-moi Hebdo. C'est très bien. On va se quitter sur ces paroles. Merci d'avoir été l'invité de Parlement Hebdo. C'est la dernière de l'année. On se retrouve l'an prochain. Passez de bonnes fêtes, Roger Carucci. Passez de bonnes fêtes. Chers téléspectateurs, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao.